est-ce bien nécessaire de naître sous une bonne étoile? Patrick Fiori ne s'est pas posé la question, car sous des abords réellement chaleureux et enjoués se cache une ambition farouche qui fait plus que transformer la vie en destin, elle transforme le destin en volonté. Volonté que nous allons mesurer à présent, avec ou sans filtre. Allez Patrick, c'est par là. C'est par là? Oui, c'est par là. Attention. Attention là, hop, attention, justement. Première reprise, boum. Bienvenue dans votre vie. Bienvenue dans votre vie, c'est Merci. La phrase que je fais systématiquement avec un invité, Patrick Fiori. Et on a les photos justement de votre jeunesse. On va la retracer votre vie à travers les photos marquantes. Celle-là, elle est drôle. Hein. Celle-là, mais c'est pour finir. Il y a côté Mike Brandt, là. j'aime beaucoup celle-là. Eh bien, on va commencer par celle-là. Tiens, d'accord. Patrick. Okay. Hein, si vous le voulez bien, on va s'approcher un petit peu. Eh bien, je n'ai pas de questions à poser. Là-bas. Quand vous la regardez, c'est vous qui me dites. Quand je l'ai regardée, je me dis qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, le coiffeur ne m'a pas touché. Quoi. Tu vois, c'est un cheveu blanc. Non, pas de cheveux blancs de toute la famille, jamais de cheveux blancs. Mais c'est très étonnant de voir cette photo-là parce que ce n'est pas simple de se voir enfant comme ça. Moi, ce sont des photos sur lesquelles je ne retombe jamais. En fait, je n'ouvre pas le livre de famille. Je ne vais pas chercher les choses. J'attends qu'elles viennent à moi. Voilà, et là, en l'occurrence, merci à toi, parce que du coup, ça revient dans ma mémoire. C'est quoi le souvenir, alors, le plus vieux souvenir que vous ayez, ou que tu aies, parce que toi, Oui, d'accord, avec plaisir, hein? Ben, c'est que le plus vieux souvenir, c'est j'ai 5 ans, et ma mère confectionne un gâteau ce jour-là, c'est mon anniversaire, et j'avais entendu, quelques jours auparavant, deux chansons, une de Johnny Hallyday qui faisait « Le feu est dans ma peau ». Mais ça, c'est pas ton époque, c'était plus jeune, toi. 75, okay. 69. Tu sors, s'il te plaît. Attends, c'est content. Ouais, c'est bien. Et il y avait donc le feu dans ma peau et les abeilles de Bourville, elles frissonnent, elles bourdonnent, bref. Et j'étais sur la table et moi, je suis inconscient de ce que je suis en train de faire. Je sais que je chante comme je parle, quoi. Et c'est là où mes parents me regardent. J'ai encore ce sentiment-là, cette émotion, où je vois, même à 5 ans, je me souviens de leurs yeux, de ma mère qui a les yeux qui brillent, mon père qui a les yeux qui brillent. Toute la famille, frères et sœurs, ils me regardent comme ça, genre un peu bloqué, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et bon, voilà, le temps passe. Et puis, quelques temps après, ben, je me surprends à chanter de plus en plus, tout simplement. 5 ans. Le premier souvenir, c'est la chanson, en tout cas. C'est de la musique. C'est incroyable. Les parents, justement, tiens. Ah là 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 là, ils sont là, les parents. Quel canon, ça rigolait pas. Hein. Ben les gens, je sais pas pourquoi. Alors peut-être c'est les photos, mais ils étaient beaux. Alors on commence histoire. Par qui? Alors Marie-Antoinette, née 1 rue de l'Assomption, vieille ville. Tu veux pas faire mieux? Ajaccio. J'ai eu la plaque, j'ai eu la chance d'avoir la plaque de la rue qui est chez moi à la maison. Voilà, la plaque de sa rue, là où elle est née, rue de l'Assomption, la plaque originale. Et Marie-Antoinette. Vie pas simple. Qui n'a pas une vie simple, Antoinette. Qui n'a pas une vie simple du tout. Enfin, frère et sœur, d'ailleurs, autour d'elle. Donc, une maison qui est passée un petit peu de... Enfin, qui est passée un peu de foyer en foyer. De foyer en foyer, de famille en famille, parce qu'elle a perdu sa maman. Elle avait 13 ans, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, ma mère me disait... Ça, je te dis des choses à toi que je ne dirais peut-être jamais à qui que ce soit d'autre. Ils attendaient que les marins américains terminent leur clope pour rouler un peu du tabac et puis revendre les cigarettes pour se payer du pain. Donc, tu vois un petit peu la limite dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'était pas simple. Mais bon, c'est une femme merveilleuse et belle. Elle est encore aussi merveilleuse et belle aujourd'hui. Et donc de famille en famille, elle passe à droite, à gauche. On l'exploite un peu, quoi. Comme ces belles jeunes filles de l'époque. Dans le sens où on leur faisait beaucoup faire des tâches ménagères, des trucs comme ça. Et puis un jour, le Jean-Bart arrive. Alors je ne sais plus si c'est à Ajaccio ou Marseille, mais je crois que c'est ici. Mon père était là pour un déménagement, je crois, il était là pour déménager quelqu'un parce qu'il est ancien déménageur. Le Jean-Bart arrive et à l'époque, les populations allaient accueillir les marins. Tu sais ça, hein? Quand un bateau arrivait, aujourd'hui, tu en arrives 18 par jour et on s'en fiche, quoi. Mais quand un bateau arrivait, surtout le Jean-Bart qui arrivait de New York, avec 5000 marins dessus, évidemment, défilé, donc les marins, les pompons, les beaux gosses, tout ça. Et donc, dans cette population, il y avait ma maman et puis elle se penche. Et puis elle touche le pompon des marins, juste sans savoir qui c'est dessous, quoi, tu vois, sans savoir comment il est. Et puis ça devient mon père. Donc, c'est Jacques. C'est Jacques. Jacques Chouchaillan. Jacques Chouchaillan qui est arrivé à Marseille, donc on va dire que c'est un enfant rescapé du génocide, comme je le suis, finalement. Génocide arménien, oui, donc apatride, chassé. Chassé du pays, hein, ils ne sont pas partis pour plaisir. Donc en fait, c'est l'union de deux personnes qui ont un peu le cœur.
Lourd. Lourd, oui. Vraiment. Le cœur lourd, vraiment, et où la, où la place de l'amour va avoir la plus grande importance, quoi. Tu vois, le cœur est rempli de choses, je dirais, pas très jolies, plutôt sombres, et il reste une place pour le soleil immense à l'intérieur de ces deux cœurs. Et donc, je pense que les gens se retrouvent et ils se sont retrouvés ici. Ben, le soleil, il est là-bas aussi. Il est là aussi. Ah, mais oui. Ah mais oui, mais parce ça, que... c'est les années à Marseille, ça. Parce que tu nais à Marseille. Eh oui, je nais à Marseille. Hein, à Marseille. Ton papa, comme tu l'as dit, est déménageur. Oui. Alors là, on te voit sur le port, mais on aurait pu te voir ailleurs. Il déménage quoi, 10, 15, 20 fois, je 19 crois. Fois. 19 le fois. Le vrai record, c'est 19 fois. Véridique. Ce qui fait que, tu me dis si je me trompe, tu n'as pas vraiment d'amis, en fait, Patrick. Mais est-ce non. que c'est une enfance solitaire ou pas? On n'est ouais. pas là pour aller dans le pathos, mais... Non, c'est une enfance très solitaire, mais à la fois avec une grande famille. 5 enfants, donc solitaire, mais quand même avec ma famille, quoi. C'était, ma famille, c'était mes frères, mes sœurs, mes amis. Donc... Oui, mais j'ai déménagé 19 fois, c'est pas simple. Mais à la fois, peut-être que ma mère, c'était nécessaire pour qu'elle puisse faire son dernier déménagement. Quoi. De Marseille, elle a voulu venir ici. Quoi. À un moment, elle s'est redressée à table. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on est à Marseille, justement. Oui. Et mais ce monsieur était extraordinaire. J'ai pris vachement de gobies ce jour-là. Tu sais, cette gobie, c'est avec des gros yeux affreux. Mais alors, c'est peut-être l'enchaînement n'est peut-être pas bon, tu vas me dire, mais comme tu as une enfance un petit peu seule, peut-être qu'à partir du moment où tu chantes, c'est là où tu es un peu, entre guillemets, le centre d'intérêt ou... Je ne voulais pas spécialement être le centre d'intérêt, moi. Non. Et puis, je le souhaite toujours pas vraiment, quoi. Même si c'est paradoxal, même si je fais un métier où les gens me voient, où t'es connu, quoi. Mais moi, chanter, pour moi, c'était une vraie thérapie. Voilà. Ah bon ? Ben, oui, parce que, mine de rien, quand on vient d'une famille telle que la mienne, on a quand même un poids. De la souffrance de nos parents, ou en tout cas de ce qu'ils ont vécu, nous sommes les premiers héritiers. De la souffrance de l'Arménie par rapport au génocide, nous sommes les premiers héritiers. Même si on fait notre vie et que tout va bien, je ne suis pas victime, je suis victime de rien, moi, de rien du tout. Mais tu portes des choses en toi. Tu as envie de chanter parce que tu déploies des choses, parce qu'il se passe quelque chose quand on chante, il y a une émotion, un truc déjà personnel, et puis après que tu peux procurer. Quand je chante à ce moment-là, là, ici, je sais exactement ce que je chante. Je chante le Dio Issa Virgin. Pourquoi ? Parce que ma mère me le fait écouter, parce que ma mère me le chante, et parce que ma mère me dit, cette chanson, elle va aller au fond de ton ventre. Elle va aller au fond de ton cœur. La liberté que je vais avoir, c'est celle de me sentir bien dans le chant et dans ce que je propose. Déjà, je suis libre à ce moment-là. Et libre, la liberté, ça a un prix. Et ça a un coût aussi, la ben liberté. Oui. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Comment tu sais ça, toi? Ça, c'est fort. Hein. Et là, qu'est-ce que tu fais? Alors là, je fais de la plongée. C'est en Corse? C'est en Corse, oui. Donc, je fais de la plongée sous-marine. Et du coup, je deviens plongeur sous-marine pendant presque 12 ans. Voilà. Et toutes les nuits et tous les soirs. Tu pêches? Je pêche. Et là, je pêche canne et je pêche harpon. Voilà. Et la journée, tu fais autre chose aussi? Je chante. Chante quand même. Oui. Et la on journée, va voir comment chante. Ça se passe. Bien, c'est là-bas, c'est la pièce d'à côté. Merci en tout cas. C'est vraiment cool. Allez, assis-toi, Patrick. Okay. Laisse-toi guider. Très bien. On va faire apparaître des photos. Et tu connais le jeu, hein, tu commentes. Tiens, on va commencer par celle-là. Champion, c'est marqué. Ouais. Patrick Fiori, champion. Les habits du dimanche. Les habits du dimanche, avec Léon Zitrone à l'époque. Ouais. Et c'était sur TF1, l'équivalent, je dirais, de la Star Academy. Sauf que tu n'étais pas nourri, logé, blanchi. Hein, c'était tout non, à tes frais. Parce que justement, tu venais de Marseille, les allers-retours. Tu en as fait des allers-retours, beaucoup, justement. Beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Tu t'étais inscrit, là. Et qu'est-ce que, d'ailleurs, champion, tu as gagné quoi? Ah, mais j'ai gagné. En fait, il fallait un gagnant dans l'émission, toutes catégories confondues, et j'ai gagné. J'ai gagné. Oui, j'ai. Non, mais à l'époque, on gagnait, on devait avoir un album, tout ça. Tu l'as vu, toi, l'album? Eh ben non. Bah, écoute, je l'attends toujours. Hein. C'est parce que j'ai vu derrière, c'est ça. Oh là là. Ah, c'est une catastrophe. Non, c'est intéressant. C'est parce que... Non, mais moi, j'ai honte, hein, un peu, hein, quand je vois cette tête avec ses cheveux. Mais je crois qu'il n'y a aucune raison, parce que cette chanson, c'est toi qui l'as écrite.
avec c'était Jean-Michel, avec Jean-Michel Beria. Ouais. Jean-Michel Beria, qui est malheureusement un ami qui nous a quittés, qui était auteur. Et c'est ton autoproduction, ça. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ben oui, en fait, là, parce la que famille tu es travaille. Champion sur TF1, mais il n'y a rien. Eh ben, tu en veux quand même. Tu dis. Moi, champion, ça ne m'impressionne pas. Ouais. En fait, moi, les disques de platine, d'or, de diamant, tout ça, ce n'est pas les trophées qui m'impressionnent. Moi, ce que j'aime, c'est la persévérance et c'est le dépassement de soi. C'est ça qui m'intéresse. Et là, il y en a de la persévérance, là, vraiment. Et là, j'y vais, je me dis, OK, je suis champion, mais je n'ai rien gagné. Vous m'avez promis un album, vous m'avez tout promis. Pas de problème, pas de souci. Je rentre voir papa, maman, je dis, voilà, ma déception, vous la connaissez. Et c'est moi, je veux pas lâcher. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort de m'aider? Et donc, papa qui va faire plus de déménagement, maman qui va faire plus de ménage. Eh bien, tout ça, ça donne des singles et des albums enregistrés dans des studios avec des potes qui font des photos improvisées. Tu vois très bien que c'est pas... Après Stéphanie, eh bien, il y a ça. Ah, ben oui. De la cité Herbelle... À Cargèse, quel village magnifique. C'est ta maman qui dit allez maintenant on s'en va de Cargèse, on quitte la cité là. Ben ouais. Dans une de ces tours là, il y a ma mère qui se lève un soir à table et qui nous dit et qui dit à mon père Jacques, mon père s'appelle Jacques. Donc repas de famille comme tous les midis, tous les soirs, hein, qui dit voilà Jacques, je veux rentrer chez moi. Et donc, c'était drôle parce que je crois qu'il y a mon frère qui lui dit, mais tu es chez toi, maman, parce que ça fait 19 fois qu'on déménage, ça fait 18 fois, tu es chez toi. Elle dit, non, mais je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer dans mon pays, je veux rentrer dans mon île, je veux rentrer chez moi. Et donc là, mon père, évidemment, avec ses beaux yeux bleus, la regarde en lui disant, dans 15 jours, on est chez toi. Et là, à Cargèse, il y a une rencontre qui va donner ça. Alors, c'est bien connu, mais on ne peut pas s'empêcher de montrer, hein, j'adore. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle. Mama Bourziga. Mama Bourziga, ça fait l'Eurovision, quatrième à l'Eurovision. Est-ce que quand il y a ça, Patrick, tu te dis, c'est bon là, c'est parti là. Là pour moi, ça a été un bouleversement. Un bouleversement. Je savais à ce moment-là que. Comme mon cœur allait rester ancré, quoi. Voilà. J'allais rester ancré. À un moment, j'ai lâché les amarres et je me suis dit, bon, c'est ici. C'est là. Ta maman, on va l'entendre justement au sortir de Mama Corsica, ce qu'ils disaient tes parents. Il met beaucoup de gaieté dans notre famille. D'ailleurs, quand il n'est pas là, c'est pour ça qu'il nous manque beaucoup. Et c'est ce qu'on est en train de se dire en ce moment, que s'il s'en va à Paris, là, qu'il va partir, il va beaucoup nous manquer. Ça, c'est vrai. La manière est pour lui, pas plus pour nous maintenant. Nous, maintenant, on s'est casés, on est de côté, madame et moi. Et on espère qu'il pourra se lancer dans une carrière qui sera, j'espère, exceptionnelle. Oh là là. Et l'avenir, c'est genre, bravo, l'avenir est pour lui, il n'est plus pour nous, ils y croient à fond. Et qui pourra se lancer dans une carrière exceptionnelle. Et vous montez à Paris, justement. Là, vous êtes le cœur gonflé, là. Ah oui, mais je suis à bloc, moi. Moi, je suis à bloc. depuis toujours, ouais, tu es à bloc. Mais... Parce que moi, j'aime chanter, ça me plaît, quoi, de donner du plaisir aux gens. Et je me dis, waouh, c'est bien de faire du bien aux gens. C'est bien de pouvoir chanter, de leur pouvoir transmettre des émotions. J'avais cette capacité, tant qu'à faire, voilà, pas me la garder, la faire profiter à tout le monde. Mais sauf que là, à cette époque-là, donc, vous allez de Cargèse, vous remontez encore à Paris. Oui. Et alors, j'ai presque envie de dire, pas on se moque de vous, mais on vous dit, mais qu'est-ce que tu vas encore faire? Parce que vous participez notamment à une émission qui s'appelle La Chance aux Chansons, oui, présentée par Patrick Sevran. C'est Pascal ouais. Sevran. Et on vous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore, ça, Patrick? Qu'est-ce que tu vas faire, ça? Mec, il me donne la possibilité de passer pratiquement toutes les semaines à la télé, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir chanter, de pouvoir faire mon métier. Qu'est-ce que je vais faire? Mais merci, quoi. Mais merci. Et surtout merci parce que on l'a là justement ce vent. Voilà. Ce vent, il vous permet de rencontrer Eddy Marnay, Luc Plamondon, Jean-Jacques Goldman, Johnny, Zucchero, le Normand, Sting, d'autres. Mais arrêtons-nous à Plamondon. Non mais oui, qui est génial. C'est pour ça que les gens qui se disent, je reviens juste là-dessus, ouais, parce que j'arrive, ça m'est difficile encore aujourd'hui de comprendre ça. Ce mec, Pascal Sevran, on aime ou on n'aime pas, il avait inventé quelque chose, un programme pour des gens à une certaine heure, et ça fonctionnait. Et de pouvoir faire des émissions à l'époque, sans être dans une maison de disques, autoproduit, personne ne prenait ce risque. Les gens, en règle générale, allaient dans les maisons de disques pour essayer d'avoir les artistes signés ou des artistes qui étaient confirmés. Mais moi, j'arrivais de nulle part, moi. J'arrivais de Cargèse ou j'arrivais de Marseille. Donc, ce mec-là, il m'a aidé.
Voilà, tout simplement. Comme les autres, d'ailleurs. Comme les autres. Mmh. Et donc, Plamondon, on s'arrête quand même, parce qu'après Plamondon, justement, on te choisit pour ça. Ah oui, pour Notre-Dame de Paris. Pour Notre-Dame de Paris. Là. C'est 19 millions d'albums vendus. Hein. Oui. Tu as fait 3 fois le tour du monde grâce à ça. Bah, oui, je crois C'est le plus gros succès d'une comédie musicale en France. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu n'as jamais dit ou que tu as envie de dire en voyant cette photo? Ce que j'ai envie de dire, c'est que... Alors moi, je vais le dire. Oh, vas-y. Vas-y, dis-moi. C'est beaucoup plus intéressant ton interprétation. Non, pas du tout. Parce que ça pourrait être le sommet. Tu y es arrivé. Et après ça, justement, Patrick, eh bien, après ça, ça ne va pas aller si bien que ça, finalement. Ah, mais ça ne va pas du tout. Parce que je sais que le mot n'existe pas, mais on se déconstruit, quoi. C'est-à-dire que là, tu construis un empire. C'est un empire. Ouais. Hein. C'est devenu une comédie musicale phénoménale. Et puis après ça... Ben regarde, on est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc de tout ça, tu sors, t'es seul. Ça a été la catastrophe pour moi artistique, ça s'est pas trop su, heureusement, tu vois, parce que j'ai été protégé, je me suis protégé aussi, et je me suis dit, ok, je sais que là, je suis au fond du sable, je suis au fond, je vais y rester pendant un moment, mais à force de travail, on arrive toujours à s'en sortir, tout le temps. Il y a toujours un moment, une lueur, un truc, et l'envie qui fait que ben, y a tout qui rejaillit, et que, boum, t'es ramassé, et là... Ben, j'ai Calo qui fait que tu reviennes, tu vois, et puis boum, c'est reparti, voilà. Donc, fallait être patient. On va voir ce que ça a donné, justement, en termes d'album. Mais c'est dans la pièce d'à côté que ça se passe. Ah, d'accord. Ah oui, il y a encore une pièce, okay, ah, oui, on n'en finit pas. C'est comme toi, on n'a jamais fini. Allez, viens. Merci. Chez qui? Il y en a beaucoup comme ça? Je peux repartir avec aussi? Non, on touche pas. Dommage, touche pas, parce que j'avais fini le bas de la maison là. On touche pas, on regarde. Okay. On regarde et donc ben, il y aura des surprises hein, derrière chaque téléviseur. Allez, on commence là. Maman? Là. Ah oui! Il n'y a pas de surprise là. Hein. Ouais. 8 albums. La surprise, elle est peut-être là, peut-être Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que chaque album est disque d'or, voire double disque d'or. Tu es un des chanteurs français qui vend le plus. Ah, on le dit. Donc, ouais, alors, c'est pas une question, ça, mais maintenant... Non, mais c'est bien. Là, on voit le dernier. Tu vas en faire combien encore, là? Je sais pas. Est-ce que je sais que ça va s'arrêter un jour, vers le mur, là-bas. Tu vois, là, ça va s'arrêter, là. J'ai d'autres choses dans ma tête. Ah? Ouais, parce que je trouve que l'évolution, là, nous a permis, en tout cas, de penser différemment. Il y a quelques années, tu avais la casquette de chanteur, tu étais chanteur. Mais moi, je me suis dit qu'une casquette, ça ne me suffisait pas. Alors, je me suis dit il y a longtemps que je pouvais être aussi producteur d'artistes, de nouveaux artistes, producteur d'émissions de télé, producteur d'autres choses, quoi, d'émissions, de plein de trucs. Et finalement, je suis en train d'aller dans ce sens. Oui, parce que chanter, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais je vais rester sur le chant, là. Ça, c'est l'écran chant, justement. Et moi, c'est là. Corso, ah, ouais. Mezzo. Tu es quelqu'un qui compte, mais ça a été encore un succès. Après toutes ces périodes de galère qu'on a vues, là maintenant tout ce que tu touches, ça te transforme en or quand même, Patrick. L'or, je l'avais déjà. J'avais des chansons. Les chansons du répertoire, c'est d'ici, du pays de ma mère et de là où je grandis, où je vieillis. J'avais déjà l'or, il était juste là. Il fallait juste aller le chercher. Il fallait trouver les compagnons, il fallait trouver les gens qui avaient envie de porter ce rêve de gamin plus loin que moi encore. Voilà. C'est Antoine Turzi qui m'a donné cette profonde émotion et ce goût certainement d'aller jusqu'au bout de cette victoire commune. Quoi, parce que finalement, c'est le bout de l'histoire où il y aura un Mezzo 2? Je pense qu'il y aura un Mezzo 2. Voilà. Ah. Mais il faut le mûrir, il faut y réfléchir parce que comme toutes les belles choses et bonnes choses qui ont eu beaucoup de succès, il faut faire attention, c'est quand même un bon film. Quand on fait le 2, il faut qu'il soit aussi bon que le 1. Donc ça se réfléchit. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais dire, si c'est possible, c'est merci. Merci à tous les artistes d'avoir joué le jeu parce qu'ils ont chanté leur culture, leur chanson, que j'ai rien touché à ça. J'ai juste... Accompagné. Accompagné, voilà. L'écran, là.
Instagram, c'est... parce que tu racontes toi aussi des histoires. Insta, ouais. Insta, pas mal de followers, hein, c'est assez récent, mais pas mal de followers. Pas, ouais, ça marche. Pas. Et si tu veux, ça fait longtemps que je poste plus, j'arrive, parce que je sais pas. 110, temps, là. Alors de la 110. Bon, ouais. On va prendre un petit peu les images comme ça, séparément. Pardon, qui va me les expliquer, justement. Oui. On trouve de ça. Jean-Patrick était sur la scène du Kremlin à Moscou. Ah oui, oui, il y a une histoire d'amour avec... Un World Live Award. Qu'est-ce que c'est? Il est sur mon bureau et je crois que j'ai mis des casques dessus. Qu'est-ce que c'est ce... Ben, c'est que c'est Notre-Dame de Paris, ça. C'est Notre-Dame de Paris qui nous a mené dans ces endroits-là. Moi, si je suis là-bas, ils m'ont pas découvert du jour au lendemain comme ça. C'est qu'ils m'ont vu habillé en Phébus et que ça leur a plu et que là-bas. Et 20 ans plus tard, tu continues d'aller reprendre. Et 20 ans plus tard, on remplit des stades de 45 000 ou 50 000 personnes. C'est ça en fait. Et donc tu repars avec des trucs comme ça parce que avec des trophées. Bon, celui-là, je crois qu'il est filé à ma mère. Je crois qu'il est filé à ma mère, celui-là. Ah ouais, ça, c'est... Ah, c'est la nouvelle distribution. Ouais. Je vais me faire l'avocat du diable là. Je vais peut-être pas être c'est sympa. Patrick, tu fais ce Voice Kid parce que ça te plaît, parce que c'est fun, ou parce que tu te dis c'est une façon pour moi de récupérer un peu un public jeune, de rameuter un petit peu des... Non mais moi je suis le père et la mère quoi. Je suis un passionné des enfants depuis toujours, des miens ou pas. Voilà. Donc The Voice Kids, je viens de là moi. Je faisais les concours de chant avec mon frère. J'avais 8 ans, 9 ans. Je faisais tous les villages de la région Rhône-Alpes-PACA pour déjà essayer de revenir avec des coupes à la maison parce que ça nous faisait plaisir. Tu sais, où tu as ton nom qui est à peine collé et puis tu as la coupe qui elle se casse quoi, le temps d'arriver à la maison. J'ai commencé comme ça. J'ai continué avec les habits du dimanche à l'époque. C'est la continuité. La continuité. Et puis pour moi, c'est important d'offrir quelques outils aux enfants aussi. Et c'est important de connaître leur psychologie et de les accompagner comme on m'a accompagné, moi, quand j'étais enfant, de cette jolie manière, de cette douce manière. C'est important pour moi d'être à cette place. Elle est légitime. Je m'y sens bien. Je suis papa de famille, donc les enfants, je sais aussi les accompagner. Et véritablement, c'est quelque chose de très fort, les enfants. Alors, j'ai vraiment mauvais esprit. Moi, j'ai vu l'histoire de gagner des acheteurs d'albums. Et ça? Ah oui, ça y est, ouh, on y est. Le 2 mars. Le parce 2 mars. Parce que j'ai envie de dire, Patrick, à Ajaccio, il va y avoir des surprises. Et si le Patrick Fiori, et le vrai Patrick Fiori, n'était peut-être pas avec nous, cette salle-là, et si le vrai Patrick Fiori était plutôt là? Et tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas lui, en fait, le vrai Patrick Fiori? Hop. Est-ce que c'est pas sur scène où tu es vraiment toi? Bien sûr, je crois que c'est l'endroit au monde où je me dis, juste avant de monter les escaliers, qu'est-ce que je fous ici, tu vois? Et une fois que je suis sur scène, je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre en bas, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bien sûr, c'est là où je suis le mieux au monde. Je crois que la vie idéale, pour reprendre un des titres dans l'album, Promesse, ouais, ma vie idéale, moi, c'est celle-là. Et surtout, ce qui est important... Puis les gens, quoi. Genre. Mais là, j'ai envie de dire, c'est un peu facile, là, quand il y a un monde comme ça de zoner à fond. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ta vie, moi, et ça sera la dernière chose pour conclure, c'est là, en fait. Regarde et écoute. Là, on est il y a 30 ans. C'est à Bastelica. À Bastelica, il y avait 150 personnes qui assistaient au concert. Et tu finis à fond, déjà à l'époque, comme tu finis aujourd'hui. Et c'est Goldman qui a dit ça. Et c'est Goldman, peut-être une des raisons pour laquelle il t'a choisi, c'est qu'il a dit Patrick, il fait tout à fond. Et finalement, le secret est là. On arrive au bout de l'histoire. Le secret, finalement, c'est de faire tout à fond, peut-être, Patrick, non? Pour réussir. Je crois. Hein? Ouais, en tout cas, 100% à chaque fois, quoi. C'est important d'être fier et d'être heureux de ce qu'on fait. Parce qu'on est sûr de transmettre de la bonne manière. Quoi. Donc, aller au fond des choses, aller au bout des choses. Et c'est ça qui nous remplit le cœur, vraiment. Voilà. Promesse, c'est ton dernier album. Super album. Super album. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. J'ai dans la voiture et j'aime beaucoup. Allez, on finit l'émission avec merci un selfie. Merci à toi, en tout cas. Ouais. Allez, viens. Tu veux faire un selfie? Ben, oui, ouais, un selfie. Et tu souris, tu te laisses ouvrir. Voilà.
À la prochaine. Elle te plaît. Elle est belle, celle-là. Ça a été un véritable plaisir. C'est moi. Merci à toi. Merci. Longue vie à ton émission, longue vie à plein de choses. Vraiment, c'était super, un très bon moment. C'est gentil à toi. Rendez-vous de mars. Tu viens, Ajaccio, hein? Bah oui, tu penses. Ah, en fait, je t'ai mis 5 places, mais... Oula, bah, ouais, c'est quand même 10, c'est déjà cool. Je rigole, quoi. Thank you.